matin à toutes et tous. Eh bien voilà, on se retrouve pour le message ou les énergies de ce mardi 13 février 2024. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Alors aujourd'hui, avant de commencer, comme tous les jours de la semaine, eh bien, l'affirmation positive sera « Aujourd'hui, je ressens de la joie et je transmets cette énergie aux personnes qui m'entourent. » Voilà l'affirmation positive que vous allez vous dire trois fois. Aujourd'hui, j'ai pigé le choix. Alors le choix, je décide ce qui est bon pour moi. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, un choix à faire, que ça soit professionnel, que ça soit sentimental, que ça soit familial, que ça soit au niveau de vos loisirs, que ça soit au niveau de l'achat d'une maison, un déménagement. Donc voilà, il y a un choix à faire. Alors, avez-vous remarqué que dès que vous avez fait un choix, la situation qui était jusque-là bloquée se dénoue tout simplement? Eh bien, c'est parce que vous avez pris une décision, tout simplement, et que vous avez mis votre énergie et votre intention dans une direction, eh bien, bien précise. Et c'est ainsi que tout se met en œuvre naturellement, évidemment pour aller dans la voie que vous avez choisie. Avez-vous remarqué que tant que vous hésitez, eh bien, vous vous bloquez. Vous vous bloquez vous-même en ne vous donnant aucune direction à suivre. Ce qui crée évidemment un énorme blocage, d'où le choix. D'où faire le choix est important. Alors il est vrai qu'il est parfois difficile de trancher. Mais cette action, eh bien, elle est salutaire. Et en faisant le choix, elle vous permet d'avancer, de ne pas stagner, elle ne vous bloque pas. La vie est une suite de choix, n'est-ce pas? Que ce soit petit et grand, au cours de laquelle, vous conservez toujours votre libre arbitre, parce que vous avez toujours votre libre arbitre. C'est vous qui décidez. Vous êtes le capitaine de votre navire. Vous n'êtes jamais, jamais, jamais obligé de. N'oubliez pas. On ne vous oblige pas. Vous n'êtes pas obligé de faire. Mais plutôt vous choisissez de, ou vous décidez de faire et pas obliger. Ces expressions positives vous permettent, eh bien, de conserver votre pouvoir. C'est vous qui choisissez. Et en utilisant des expressions comme « je dois », « il faut que », c'est comme si vous abandonniez votre pouvoir aux circonstances extérieures. Choisissez ce qui est bon pour vous et passez à l'action. Vous savez, la vie est une succession de choix. Le temps de l'attente et de la passivité, eh bien, est terminé. Il est important, vraiment, de rester dans l'action si vous voulez réussir, si vous voulez atteindre, eh bien, le but que vous vous êtes fixé. Alors, je vous invite à décider maintenant ce que sera votre vie et surtout de passer à l'action. Il y aura des opportunités qui vont arriver à vous. Vous avez toujours votre libre arbitre, n'est-ce pas? Mais on vous demande de décider, de faire un choix. Quelques affirmations,
Les décisions que je prends sont toujours bonnes. Écoutez votre petite voix intérieure. Elle a toujours raison. Chaque choix est juste et me permet d'avancer. Je choisis toujours ce qui est bon pour moi. Pesez le pour et le contre. Et voyez ce qui penche dans la balance. N'oubliez jamais que vous êtes le créateur de votre vie par les choix que vous faites. C'est quand même important. Et je terminerai en toutes circonstances. Je conserve mon libre arbitre. Je suis libre. Je suis libre. Très beau message hein, avec le choix aujourd'hui. Je termine avec le petit oracle de fées et j'ai pigé la danse des korrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Et bien voilà le message de la fée. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse et je vous dis à demain.